Alors, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus parmi nous ce matin dans le nom du Dieu de Naomi. L'église que vous visitez ce matin, c'est l'église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire. On pourrait se demander, ça c'est quelle église encore? Mais soyez-en rassurés, c'est l'église par excellence du Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, c'est comme le chemin, c'est comme la porte. Lorsque vous ouvrez, lorsque vous suivez ce chemin, à coup sûr, vous allez arriver à la nouvelle Jérusalem. Pourquoi ce matin je vous dis ça, chers frères et sœurs? Je vous dis cela parce que chez nous, ici, à l'église de Patmos de Donné de Côte d'Ivoire, la Noé des temps modernes, la Moïse des temps modernes est parmi nous. Et cette dame, chers frères et sœurs, tous ceux qui vous invitent certainement vous ont parlé de cette dame. Une femme qui parle avec Dieu. Une femme qui communique avec Dieu. Qui est cette femme? Alors, chers frères et sœurs, cette femme, c'est l'une de nos mamans comme vous autres, maman. Elle a fait 11 enfants. Elle est originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Mais elle allait à Sassandra avec son mari pour aller faire des plantations. Cette maman, elle n'a jamais un jour imaginé, pensé faire le travail de Dieu. Non. Aller à l'église, mais n'était pas son affaire en tant que telle. Pour elle, fallait qu'elle travaille au champ pour qu'elle puisse nourrir ses enfants. Parce qu'elle en a fait 11. Et un jour, un dimanche comme aujourd'hui, en août 1976, ce jour-là, notre maman, elle a fini ses travaux domestiques et elle a eu le temps d'aller à l'église. Parce que ce jour-là, Dieu lui avait donné effectivement rendez-vous. Et lorsqu'elle arrivait, pendant la prédication, chers frères et sœurs, notre maman, elle va entendre une voix qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre.
dans son fort intérieur, la voix va lui dire, dis Alléluia. Une fois, deux fois, notre maman refusait toujours de dire Alléluia. Alors, la voix qui lui intimait l'ordre de dire Alléluia, chers frères et sœurs, cette voix va se transformer en une très forte lumière provenant depuis l'autel de prédication. Cette lumière pénétra profondément notre maman et notre maman, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, chers frères et sœurs, Alléluia qu'elle n'a pas voulu dire, elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle a même gâté le cul de ces jours-là. Et notre maman, elle a eu très peur. Elle était très inquiète. Elle s'est posé mille et une questions. Qu'ai-je fait à Dieu pour que je puisse tomber ainsi dans le temple de Dieu? Et lorsqu'elle s'est couchée dans la nuit, les anges de l'Éternel sont venus à notre maman. Ils sont venus vers elle et lui ont dit, maman, est-ce que tu connais Noé? Elle dit non. Est-ce que tu connais Moïse? Elle dit non. Elle a dit, mais j'ai entendu parler d'eux à travers la Bible. Alors les anges de l'Éternel vont lui transmettre le message de la part de Dieu. Maman, n'aie pas peur. Ce matin, ce n'est pas Satan qui t'a fait tomber dans le temple, non. Mais c'est l'unique, le véritable Dieu qui a établi Noé, Moïse, Isaac, Abraham et j'en passe. C'est ce Dieu-là qui t'a fait tomber aujourd'hui dans le temple. Parce qu'il a une très grande mission à te confier. La mission d'annoncer au monde entier que le monde est fini. Et que tous les chrétiens qui appartiennent en propre à Dieu s'approchent de toi pour que tu puisses les conduire de la terre jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Pour que notre maman puisse mener à bien sa mission, chers frères et sœurs. Alors, Dieu va établir une communication directe depuis le ciel jusqu'à elle. Elle parle avec Dieu, elle dialogue avec Dieu, elle cause avec Dieu. Ce n'est pas en songe, ce n'est pas en rêve, chers frères et sœurs. Ce matin, ici, entendez-vous parler, vous m'entendez. Vous aussi, si vous parlez, je vais vous entendre. C'est de cette même manière que notre maman, elle communique avec le Dieu des enfants d'Israël. Et cela fait plus de 43 ans. Notre maman, elle a un cachet personnel. Elle est l'épouse de Dieu. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez que Satan ne vous approche plus de vous, dites désormais un seul nom. Le code secret de Dieu, le numéro direct de Dieu. Alors, notre maman, c'est tout simplement la prophétesse Yao Aya Naomi, que je dois qu'on puisse ovationner. Merci. Alors, chers frères et sœurs, je sais que ce matin, vous êtes un peu inquiets. Vous voyez des gens qui tournent à gauche et à droite. N'ayez pas peur. Tout ce que vous voyez est orchestré par le Saint-Esprit, par Dieu. Donc, n'ayez pas peur. Alors, comme le monde tire à sa fin, comme le monde est fini, chers frères et sœurs, cette fois-ci, Dieu n'a pas voulu envoyer les prophètes seuls sur la terre. Dieu lui-même a quitté son trône royal qui est au ciel pour descendre encore sur la terre. Souvenez-vous, lorsque Dieu était descendu pour la première fois en Israël, après 33 ans de service, il a été arrêté et crucifié. 3 jours après, ressuscité. Il a fait 40 jours encore avec ses disciples sur la terre. Au 40e jour, il est remonté au ciel qui est sa demeure. Et en remontant, il a fait une promesse à l'humanité à travers ses disciples en leur disant ceci. Maintenant, je pars au Père vous préparer une demeure. Et lorsque cette demeure sera prête, je reviendrai vous chercher. C'est à juste titre que c'est écrit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est parmi nous. Désormais, on ne doit plus dire « Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt ». On doit tout simplement dire que le Seigneur Jésus-Christ est là. Alors vous allez me dire « Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est où ?» Chers frères et sœurs, ce matin, le monsieur qui est assis en face de vous, vêtu de tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Ne me demandez pas pourquoi il est noir. Dieu n'a pas de couleur. Là où Dieu se rend, il prend la couleur des hommes qu'il trouve. Comme Dieu est descendu en Afrique, alors sa peau est noire, un Africain original. Désormais, Dieu est Africain, Dieu est Ivoirien. Donc, la nouvelle patrie de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire. Et le peuple de Patmos, dédonné de Côte d'Ivoire,
est sa maison, sa demeure. Alors soyez tous les bienvenus ce matin dans la maison de Dieu, dans le nom du Dieu de Naomi. Je sais qu'il n'est pas facile de reconnaître Dieu. Je sais qu'à ce moment, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vrai que c'est Dieu? Est-ce qu'une femme peut parler à Dieu? Oui. Toutes ces questions que vous posez, nous aussi, nous nous sommes posés toutes ces questions. Peut-être que nous-mêmes, on s'est posé des questions plus graves que vous. Mais demandez avec humilité et sagesse la volonté de Dieu. Ne dites pas dans votre cœur, c'est pas lui. Demandez tout simplement la volonté de Dieu avec humilité et sagesse. Alors, Dieu qui a eu pitié de nous, il aura également pitié de vous. Donc, nous allons demander ce matin pour vous la clémence du Dieu des enfants d'Israël qu'on appelle aujourd'hui le Dieu de Naomi, d'avoir pitié de vous comme il a eu pitié de nous tous qui sommes ici sans exception. De vous faire grâce également comme il a fait grâce à tous ceux qui sont ici. D'ouvrir vos yeux pour que vous aussi à votre tour, vous puissiez voir toutes les grandeurs spirituelles qui sont dans ce lieu. Que votre séjour parmi nous soit le meilleur de votre vie dans le nom du Dieu de Naomi. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Sien ma lika oto di. Blen ote sien gulien. Ima uri keni idmanu ma iso. Yesi nye mien wa ma e o. Pa ma e like da. Dike da son yele wa. Yele ma mi na umi. Yesi nye mien wa ma e o. Ansa zukun bak. Like da son yele wa. Yele ma mi na umi. Yes, Yamia, Wamayo, Wamae, Ligeta, Ligeta, Sonia, Yele, Mami, now, Yamia, Wamayo, Wamae, Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Timmy, Grandpa, Osano, Wamae, Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Prale, Grandpa, Osano, Wamae, Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa. Then I come here for so am I Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Mamina, me, while I go, am I Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Mamina, me, if I go, am I Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Mamina, eh, am I you, am I Ligeta, Ligeta, Sonia, Lewa, Mamina, amen. Yes. C'est la tombe manlé, c'est la tombe man qui est dans Baya Sakia. Yemi nyamia, c'est la tombe manio, c'est la tombe man qui est dans Baya Sakia. Mae nya tombe likapa, mae nya tombe likapa na Yesu to mangwan, mae nya tombe likapa Yesu to mangwan. Na tombe likapa Yesu to mangwan, mae nya tombe likapa Yesu to mangwan. La gloire du Dieu de Naomi. Son amour envers nous est infini. Mi cloque, mi faille, mi lika clang encore mini wonu. Mi kunde ke su Naomi yo mi chekwa. Mi cloque, mi faille, mi cloque. Mi cloque, mi faille, mi si yo mie, mi capra wa pa mi wonu, mi wé wonu, mi kune ke su na mi yo mie ke pla. Mi cloque, mi faille, mi sangatiye, mi wa mi sui, yele ke ti mo te yo mie yo le yo, sangatiye. Yangwe okulele leo yeleke sasui adala jemi kloke mi
Tovle Naomi, Oyom Yeti, Yom Ye, Lika Kwangoko, Ye 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 Suisu, Mama Naomi, Oyom Yeti, Yom Ye, Ati Kwangofa, Ye 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 Suisu, Mi Kloke, Mi Kloke, Mi Faye, Ye Ye Fwe, Lika Kwangoko, Mi Niwo, Ye Niwe Wonu, Amen. Plein autant ce qui voulait. Moi, vous le connais, il m'a nommé ça. Mansour à l'être en monceau. 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 Mam. Mansour à l'être en monceau. Mam, voici l'être en monceau. Patmos. Mansour à l'être en monceau. Ma vie me finit avec Bali, mais tout du lait, mais tout du vilain, qui a autre chose. Mais tout Dieu a cagnon. Et non, ce aucun de autre chose. À mon sidi à blé, c'est un exemple, à mon sidi à mon souvier. À mon tinde, à mon vieux mot, quand il est autrement sort. Mansour à l'être en monceau. À mon goût, à mon glacé, maman.
amo fale te nyamiengoa isoti amo guamulasi ni amo fale ite Naomi owule isonti mam amo guamulasi nyamie osu koma oyaki amwasi soa afin donc asu amu yamuti Naomi nyamie ilienio amu yamu yeun sayo amu yokan dekli amu ya amu tio isonti nyamie pli boti adudwa mais li ande bi fleke Naomi nyamie ye okula yakia umvlikanga we boti boya ulisu umvli yaika lelema oyakia muwa isoti amu gwamula se na amu nyangule trale na amu sere amu sien mi kulina osu amu buna amu jo afin sena nyamie ni osu amu boy minga njie nsi amu keni amu skula amu juma afin atimbo bon abo nyame bo okpeli omo amuke amusino oti atikmo oti atifi inu sine ye ya isoti amusere mo nyame wa we osun amubo beble na amujo se amuna jumai anze se amu jumai amu sukula sia ke nyami enti dan se amu join ye amu asike Naomi nyami nga osieli oti akulu yofwe isonti amu sere nyami na amu ju na amu wafanga mo nyami kuli oti na donga suwa afi donga suwi amu te fe amu no vie mwen amu se like amu na nyeme amu se juma amu na nyeme amu no vie mwen awete ku amu amu nu vie mo am lal ke vie fi am la fia wle am la la wle am la trale am la ngba bwa am te fe sing oli song bai am te won di am te fon na o mi inyamie se li ka bon an ken den kriam le i so sa be nu malo lol ye am ko kram ta nyambe on fwe lo amu yitras na ni kesu lo amu kokoma i so mvle pali e ili emba ke make un den kli amu asien soa na amu faso amu lafiso na amu yo nyami kli iklun sa nyami iklun sa ili ya ke un den kli amu kwengwe oni vianyo afikia mwa asiye soa like bobo nga nyamie nkule ya mkula musimei like kpa nga ba mko yona mko nyamu ti ya mko nyangwan kulo san vie fisa be sime ite nyamie ba musin ye kunio na wa kle ya mwa ti o wa taka taka amuja isonti mamu monsieur le tran monsieur man voici le tran à monsieur et quand abo nyamie aussi ma amoi mo ojo amukuno amu nyamie nafima ongwanu na o mi nyamie choti so anumai Naomi inyamie choti so anumai oti son de ye okale titi iti. Inga nyamie kankleli amu ibobole noe iwo sukumba inu otewo ye okale lele me ofa ovye. Nyamie su kachime.
Il sorti na musa si sa obubu amu. Jumanke niamu ye di ye koy. Blev yo le mansou, blev yo le kanyase. Si kon ni sok ba mamu sike amu nyam ye niyo. Nsi di ke nga mansou yoy. Nsi di ke nga mansou famu koy. Iti akushuma sa amu kenya. Amu ni Naomi amu ju. Nsou ya ki amu le mfas na ufren kwa nyam yesu. Sa amu ga amu sumisu ye ye mfamu ye yiko. Kanza amu ti se, amu li amu ti nye niyo. Kanza amu ti kpai, amu ti nye. Kanza amu ti te kushuma amu ti nye. Kanza amu jaku ti kpewai amu ti nye. Sa amu seku ti kpewai amu ya amu ti midye niyo. Nkwa ya ki amu le, nko fas na ufren. Kanza ibo ti klan au, isang bakula ule, ijang bakula ule. Boniyan. Wasu ansu wa yalike fi wa mami ne li enko fe enko me ingwanio se am gabonia be bo am like fi bo am ti apa mo kebe won be yam fi fi be pe amuzu angwem de ndoswa mi sule dumanoi am la nyuru asien aswa mi sule dumanoi am la nyuru am osufu be sanu mi sule dumanoi am la nyuru am ngumbe sanu be yam wazo be ramu be kamumbo de le am la gwasu like bo am nyam dima fefele ya mu fefe o sunle ya mu fion amuke mi nme nwe mi ente aso se mo ga so ayo o amoyin o ti dan o tra nga mo bisu ya mu ye nyine nga kusuma so afa mo be kusuma o ti dan tra nyine nga mo bisu kri ya mu le na ke mi ma won se o na ke si aso unwi kula 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 ye inkle kula nsie jole direct manuti amwa fe nga amko fe ye nga mu fele you friend ma lokon. On fait qu'amour fécond, nous m'avons grandement mon amour. Il tient amour félin, sorti et ting, tu as fait que bon Naomi, oh amour sano, tu as fait que bon Naomi fait un mani Naomi, beaucoup amour fait faire un beau Naomi kusumai. On fait à quelque dialogue, n'a pas chéri que n'a pas sami alike vieux fille, c'est que amour teste à tes mielike, yo, amour fait qu'abam ko fait assis soi, non ni un, amour fait qu'um lom 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 lom, il y a amour soufflé. Un kwa nga be so afa be mamon e ti fele nga mo fele se li se am te fe akon e ti am prisu ke am fe afi inyuno lo o ti akru jwe mo iso ke mam be to jwe be se ke sanje mo be si be be ti president be ti ministre be ti zunzu se am li bia si am so se i wa fa be si li am Yele oni yele kenya mi ekuli flere amuke amuni be difami ameno oklese okleke linia sile bomo nga monye mi bomo si amule i dantra ni asile bomo nga mo be si esrama si esuale nya mi ai fami diule like vie fi kwa toma sa nya mi ni o me wati ye benzu ye be dio mo iso senge asenga suwa president se sera ko it itati on sui okla tuo of bobo bian transo o ti aso be eso se minisi bo nga wole be tuo be titi obo nga ma di jumo ti apale be tuo ajasule be fasran fule be siele pa pa su di yale senge nia nya mi pli klo le bo klo li ambo fa amoy siele bo nga mi si amule nya mie su tu a mo chemba kunsale nya ambo nga mam tram safa basu ye sa amo amu su a kun na amo amu tu a mu yi amu tu a mu su tu a mu nya predicate be nga be gwale be prete djuman su de be sanwe akoto mu yi be djuman o be san amwa uke maflamu anyana amwe yana eya remani mali amseke en matière de Dieu il n'y a pas de remaniement de quoi.
Mansour allait être à Mansour. Ça a un quai. Tu m'as bon, on s'en est bon, on s'en est bon. Oh! Ok, why are you here? But I'm not going to be a queen. You're not going to be a queen. I think I'm going to be a queen. Because I'm going to be a queen. And what's your name? He's going to be a queen. I think I'm going to be a queen. And so, I'm going to be a queen. Pourquoi on va pas bon à mon tiré, mais on va donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que les nous, on va pas bon à masculer, on va pas bon à masculer. Afin, on va pas bon à masculer. On va pas bon à masculer. On va pas bon à masculer. On va pas bon à Namu juma amu miamu yamu di Namu suwa onu akatwa onu ya katonga onu ti dantra ngamba amu yua mu manya miele Oy seti amu sasi bubu amu nyame juma bolti de no Oy seti amu sasi bubu amu nyame juma bolti de no Amu siake amu nyame oti klafo oti dan Amu siake amu nyame ti akru yefwe Amu siake isanu anya be onklokla wo Amu siake isanu sika okulekokla owo. Nzuti amu sasi obubu amu. Amu sirike nganso aye mamu. Amu si mu aye ngo amu munyunu lo. Amu sirike nganso afa ke amu. Amu si suwa ngamang pekpe lo amu si amu nyo. Mlu suwe. Akatwa dankwa. Oh Naomi nyamie isule inu. Isolti bakan o gbengben o. Amu mi amu yi. Na amu su Naomi su na amu tra Naomi kekle. Likaka na Naomi kole amu suisu. Afini kan amu Naomi ole le nyamie wo le krisi wo. Amen. Be kwa amu be fa Naomi be fa nyamie. Be kwa amu be Naomi blo de nyamie kuli I blo ngakro san be ume ole ya ole. O sana kungamo oso Naomi no wa so nyamie no sana kungamo na o yi Naomi blo wa yi nyamie I blo bok kam kwa ngamba won patmos vle nu bo patmos wa kachi amu like kwa kwa ai patmos wa kachi amu vle o kli amu so li Naomi nu Naomi yo ti amu like kwa kwa ni o ko fi ke mo Naomi ti amu like kwa kwa ai nyamie pri oni wa ba kwa le kleke be ti amu kwa amu like kwa kwa amen Isolti, mamu klu jo, ye ma amu ra ogwase. Ni an likevye fi nou malembo okkeje Patmos mou vle nyon. Likevye fi okwa jrema Patmos mou yin. Patmos mou yin, otiken zwe sa be bli o bli man. Be kwa be treme yi. Ye o le kula le. Ye o nye kula le like kula su. Afi men okotebo. Amen. Men o un Patmos mou ou su. Bokke o un amu yin ou su. Men. Amu amu ousu on Patmos win ousu amu yamti Patmos nion amu yamti Patmos banion amu yamti Patmos un vlenion sa amu nou male un vle on nou male to fete mamu ole itien vlen tran le nion masura et tran mosu sa den na omi nou male am klam tran le ka fete man na omi ole yam tran le yenye me kupa o amu ne o masura et tran mosu ma envoie sire o tran amosu Amu ewo bleble. Ye klima. In siri kaga amu e mfa amu si mwa ye djouy. In sam kenya Patmos ou vlenye. Amu djou. Soti a len. Ye kou. Mem asye mboswa. A le bo bon amu ya kou. A imay. Salam ve fisa tisa sou kwa sou en bo asye nga soua. Nya un tre bo bon amu ye soua. Ya di. Mem bo bon anu a. Salam ve fisa tisa sou kwa sou en bo. Ye di. Ye nyakwa le, ye mfamu, ye yiko. Amen. Nya ndekpa ye kakla mo. Nsanke nya untrebo bong ama ya di asyen suwa. Ye, abo bong ama tif ati alafong ati feke feke ato asukwa vie. Yeti nya amu jankekle.
nasre ku amu ngol ke abam kure yo ni ke fi fi mbomi ku alenio mbomi mi nga mo enjoye mi ku alenio kasa ngate masam ken ku ale yele kenia bled ye wa jui ya sran vie moi be wa se kenia betan da minu be su mami wati Kenya un wabinyo betanda tanda minyo le nwe kusumai inga unu ye yo afin baga na mabaye nsu lwa mi umwa klosram vye fi asenga suwa kwa yo mi fi penyo no Chris bekuen penyo bekuen ni pekumba mi mojango gwali golgota u kansui ote nunu wa musa ten mmoja kwa gwaku onunwa sanku sa tekun no C'est ni moja bo gwali. Na musa ten ale nunu leo. Ko kel ki ufle o. Afi moja gwali o gwali pe kumba. No opo mu me mo iti opo li me iti vieri. I so moja kumba. Sa mu kotonu. Am patam sa temeti. Ni am fe ke foko sa. Ni wakanda o ti pran pat mo sou vle nou. Sa ka tema pran wakanda pat mo sou vle nou. Confie mon Chris, am mi be kuli mo mojangwali wakanda suiso wakanda kumba ye be jeli be teke pat mo sou vle nou nyon on klekeli wa yes na kon kwa fe o manyamie o koko satem ye satem kwa be vie yo fe ke foko sa nyon sa ka tema teke ko fe mo le nyon kam koko tam satem moja kumba mo gwali golgota o kasuro isa moja kumba o vle mbo nou yo nu nu am satem yo afini ke sam beti wa we nou like na un esu like yo mansura tra muso Ma voici les autres amours. Wa, yes, la coco sa terre. Yes, sa terre, oh vio. Wa, yes, la coco sa terre. Yen ya, oh fait que focus anion. Dans la soue, ken wamoui, miklu jo, en yamwe kenningat, ken kungu, se gen ya, iwa fa, bon ammonia, on fa un sili amo, on fa un si amo, bonia, on fa salo sole amoui, on y gabo, amo, fin amo, pati a kou, yosu ya kou, de. On koule kenya, amo fele le trasou. Il t'a plaidé joué, il y a ni amoué kanenga. Il s'est fait plaidé joué, il y a amoué dimtrenio. N'a que l'inia, amou douke bindesa nio, amou kwa mdouke que bindesa, non. Un kwa kwen sou afisoye soye. C'est un fou amounoui, amou kawa. N'a n'a pas un kri amou. N'a n'a kri amoué kenya, amou mi amoui bo kansa. Masa kwa amou mi amoui kaka. C'est un sam, kwa amou mi amoui kan. N'a ekot di famye. Un kou n'a ke nye ki amoua, non. Minya mi ekpli. Un feli en yili ya klo, yi klo sanan. Nya. Mansoura le tran amosu. Manvwe si le otran amosu. Manvwe un le otran amosu. Nyi un feli. Yen yili amo. Fele na bonye mi feli no ayi amwe. Itie ke ese en. Nyan mi pli. O jason glolo. Bo dwe ti ase ase su aye ko. Bo li na umi be yi jonyo. Isote nyan mi pli. Ke ese en. Wafa klosra mo ti salte e fwe. Mo ti fay. Watre nou. Mi ale gama mi an. Ye ya ole. Ye fele gwa un feli amwe. Un kuna ken sa kang ben. Itie ke ese en. Ti amu a un nyan yenga nou aye ko nyon. Ange me kwa be jali be gwawa. Be fa amu, be fa be dijuman. Kwen gwe onivya. O ti a bonwa, iso salye. O nansi a de, san me ya vilye. Ye ange me jra, be fasra, be outi, be trenu, be dijuman yo. Me ya vilye, sa sa me sirio. Afi me ya vilye lo juman liye. O ti ta, o tra juman. Kwa mwenye me diri asye suwa. Be bo kwa ti do, be fa be mani me ya vilye. O kwe amu kanga ba amu gwae. Me be bo amu like fi. Amu sanwa like bendeng bliso. Oh, amen, aleluya. Il sorti. Mamu ulan kwase ye ma amu kru o jo. Nyam ye kli. Il ye bo amu sanwa le. Il ou fle soufian la obaku. Vie fin mami nyunu lo. Vie fin mami sino. On kumpa nkale. Mien ti sinyo. Mien ti mwulo nyo. Mien ouwe. Leke vie fi. Okwa nyakwa le amusu.
am gam goya am la kwala mensu ya am nya kwala am tete so afinya mi klibo ta dudwa o si le so mani amo isati nya nam sa se bubu amo na se kum amo am dijumai se mewati ke be kum amo ye be kum amo se ma mewati san fi kwa kum amo be am fifi be am wazo se ganya be su kwa kamo be kwa be tusha am te ba kum bale se bia be ke mi be yo be ke nyo Non, moi. Je suis prêt. Ma soeur est en Moussou. Ma voici est en Moussou. Patmos. N'y a mieux que l'y a ou l'issou bamou. Qu'en y a mieux que l'on ou à mon clou au job. Afin à ce bon à soi, ni à olesran, oleba. Il m'a moué, il est à mon goye. Ni à mieti à closran, itio. Sotia iti, ou à mon goye. Ni à mon amoua, tu y as ce soi, ni que vie fils à autrumei. Afin à mon sang, ni à mien wo. Mais zéro, belal qui vie fils, ni que fin n'a mes anon, betombe ou du manque bling bling me fade si beso. Babou kousa beleme, sa mou kanga mou goye. Amou tenyan beau fouet. Duma noa musu be flam kesa be flam kesa duma dans so moi prédicateur ben amobe wai be kwa be to so duma vie évêque bishop jwego pablo ti kumba diac nzu apôtre pablo ti kumba kumba lekelege o ti anyo be si anyo kumba Il est dit à ce soir. C'est un évêque, le diable, bishop, le diable, quoi qu'on soit, révérend, prophète majeur. Tout ça, c'est quoi? C'est pourquoi? C'est aller où? Pour influencer qui? Dieu ou les hommes? Ce sont les hommes, mais ça n'influence pas Dieu. Moi, je m'en fous de tous ces noms-là. Ce qui est sur moi, je suis sur terre. Tu m'as accepté, tu auras la vie éternelle. Tu ne m'as pas accepté, tu n'auras point. C'est fini. C'est compliqué. Très, très compliqué pour les humains. Une équation difficile à résoudre. Et ça a été toujours comme ça. Dieu n'a jamais été facile à résoudre. Dieu a été toujours compliqué. C'est vous les humains, vous pensez que Dieu a été toujours facile à résoudre. Non, mais moi, Dieu, je vous dis, je ne suis pas facile à résoudre. Très compliqué. Très, très compliqué parce que vous ne me connaissez pas. Je me manifeste au milieu de vous. Mais est-ce que vous me connaissez tel que je suis? C'est un petit côté que je tends à vous révéler. Et l'autre côté, est-ce que vous connaissez? Non. Que Dieu vous bénisse. Mansour a été un mousseau. Yedjou. 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 Et si tu n'as pas de amour, tu n'as pas de amour. Je suis un Mia unre nyenku oyunya Sati ma mia unre ba nyenku Ile ke me bobonga ba munle me yidio me nga injon kriya muye nga klosan biwana nkan ya ole kusina me yidio me nga tinwe me me yimenyo wa funga bo mfa yimen mfa di yimenyo sange ni kinga bo injili akuna bo mbuli membo onke membo bo sa yi klosan msi suna be yoy A ti bo nga mfa bensi su bia kacha ti ndike ufle be sianyo okelinya nike bo injili
likiram be suin likiram klo mesien ilie be yo ngambonia se be kebe yo be yo eli kemba bon keun den klebe ke nia namu yusa namu yusa bi wan no li no wa yi menio no li yo sangambo o yi me yele mpofu e ni soti in deli ngo kan ye be diso ngambonia be diaso ite ke injo nsamke mbomi mi wule wule oyo ya idie ke injo seke equation difficile à résoudre Dieu a toujours posé des équations comme ça que ça soit en Israël. Même quand on parle de l'Ancien Testament, ça a été pareil. Le Nouveau Testament, pire. Aujourd'hui, là, c'est plus que pire. Logiquement, ça ne devait pas être pire. Les gens devaient comprendre ce phénomène-là aussi facilement. Mais je crois que ça devient plus difficile. Je dis, Dieu, les étrangers, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le baoulé. Je me suis exprimé en baoulé. C'est en baoulé que je parle. Je suis contraint de m'exprimer un peu en français pour vous. Mais pas trop, parce que je ne comprends pas le français. Je comprends mieux le baoulé. Parce que c'est l'ethnie baoulé que moi, Dieu, j'ai choisi. Juste pour pouvoir m'exprimer au monde entier. Que tu sois anglais, français, ou je ne sais quoi, ou espagnol, si tu rentres ici à l'église de Patmos, Dieu donné de Côte d'Ivoire, je ne vais jamais m'exprimer en espagnol ou en anglais pour toi. Je vais m'exprimer en baoulé et on va traduire en espagnol ou en anglais pour toi. Que tu sois blanc ou que tu sois noir, que tu sois jaune, ce n'est pas mon problème. Parce que les Africains, je les ai aimés, je les ai choisis. Ce ne sont pas les Africains qui ont dit à Dieu de venir à eux, de venir vers eux. Les Ivoiriens n'ont pas demandé, n'ont pas fait une note à Dieu de choisir leur territoire, leur peuple. Dieu lui-même, dans les cieux, a jugé bon, a aimé la Côte d'Ivoire, a choisi la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi est-ce que Dieu il est ici. Je ne suis pas ici en tant que touriste. Je ne suis pas venu sur terre pour plaisanter. Je suis sur terre pour une mission bien précise. Et cette mission, c'est d'annoncer au monde entier que leurs péchés qu'ils ont faits pendant tant d'années est remonté jusqu'au ciel. Et là-bas, nous ne pouvons plus y habiter à cause de vos péchés. Ça sent mauvais. Et donc, je suis venu vous dire que ce monde-là, ça ne vous appartient pas. Que moi, Dieu, là, c'est moi qui ai créé ce monde. Et que je suis venu mettre fin à l'existence de ce monde-là. C'est ma mission. Voilà pourquoi est-ce que Dieu est là. Voilà pourquoi est-ce que la prophétesse Naomi parle directement avec Dieu. Ça fait plus de 40 ans. Ce n'est pas 40 jours. Et donc, Dieu n'est pas venu sur terre pour se présenter. Puisque sa demeure n'est pas ici. Dieu, quand on dit Dieu toujours, on fait référence au ciel. Ça veut dire que c'est là-bas Dieu est. Là-bas Dieu habite. Effectivement, c'est au ciel que Dieu habite. C'est un lieu spirituel. Je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu est sur terre avec ses anges, ses multitudes d'anges. Avec différents noms. Ils sont sur terre aux côtés de la prophétesse Naomi.
Et tous ceux qui vont se donner à la prophétie de Naomi vont aussi se donner aussi à Dieu. Parce que c'est dans les mains de la prophétie de Naomi que se trouve aujourd'hui Dieu. Amen. Ça aussi, c'est difficile à comprendre. Dire que c'est dans les mains de la prophétesse Naomi seule que se trouve Dieu, ça c'est une équation aussi difficile à résoudre. Mais vous devez résoudre pour trouver la solution, sinon vous perdez, parce que l'équation est déjà posée. Voilà. Que tu sois bishop, que tu sois homme de Dieu, tant. Non, arrêtez de vous donner les noms bizarres sur la terre. Ce n'est pas ce qui est important. Mais sachez qu'en matière de Dieu, il y a des moments bien précis où Dieu lui-même il vient sur terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu est venu sur terre, venu effectuer un travail bien précis avec les humains. Le Nouveau Testament, Dieu est venu sur terre pour effectuer un travail bien précis avec les humains. Et si au début Dieu est venu, au milieu là-bas Dieu est venu, ce n'est pas la fin du monde, Dieu n'est pas venu. Réfléchissez un peu, faites tourner un peu la matière grise. Si vous essayez de réfléchir un peu, vous allez trouver la solution. Mais ne dites pas que Dieu ne viendra plus. Maintenant, quand vous dites que Dieu ne viendra plus, qui va diriger le monde là pour aller au ciel? Vous! Ah bon. Avec vos comportements pareils là, des escrocs, des gens qui utilisent la parole de Dieu pour faire du commerce. Mais j'ai affaire à ceux-là. Je dis, j'ai affaire à ceux-là. Laissez-les tranquilles. Laissez-les, ne parlez pas. C'est mon Dieu, je vais régler les comptes. Quand je dis, on va faire palabre sur la terre, ici, là, vous pensez que c'est faux? Oh. Ceux-là, tellement ils sont dedans. Quand je vais leur dire que ce que vous faites, ce n'est pas bon, ils vont vouloir se poser à moi. C'est dans ça. Mon côté amer, là. Ils disent que Dieu ne se fâche pas. C'est là qu'ils vont savoir si Dieu sait se fâcher. Actuellement, je suis doux. Pourquoi? Parce que vous, mes enfants, vous êtes en face de moi. Je suis content. Je m'adresse à vous calmement. Je vous nourris. Je vous apporte la bonne nouvelle. Je nourris vos âmes. Et je purifie encore vos âmes. Je vais me fâcher. Pourquoi? Je suis en train de vous rassembler pour vous envoyer au ciel. Tout est préparé. Là-bas, c'est du trésor. On ne souffle pas au ciel. Regardez comment je transpire. Au ciel, il n'y a pas ça là-bas. Au ciel, il n'y a pas l'obscurité. Au ciel, il n'y a pas de chaleur. Au ciel, on ne va pas au champ là-bas. Au ciel, on ne va pas au travail à 5 heures du matin. Au ciel, on vit comme un roi. Tout est à vos portées. Regardez, au ciel, on ne pile pas. Il suffit de réfléchir, de dire que j'ai faim. La nourriture, elle est prête, elle est là. Au ciel, l'eau que vous buvez ici, si tu as bu l'eau du ciel, tu vas faire une semaine sans boire. Quand tu vas boire, ça va te pénétrer partout. Ça veut dire que les choses du ciel, ça n'a rien à voir avec les choses terrestres. Je suis venu vous annoncer que le monde tire à sa fin. Revisez vos comportements. Si toi tu es un voleur, arrête aujourd'hui là, arrête de voler. Si c'est boisson qui est toi ton travail, tu bois, tu n'arrêtes pas de boire. Il faut arrêter. Si toi tu chiques tabac ou bien tu fumes là, aujourd'hui je suis en train de te parler, arrête de fumer et arrête de chiquer tes tabacs là. Si c'est toi aussi, tu es adulte.
Ça aussi, c'est le côté sensible aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, fumer là, je peux arrêter. Boisson là, je peux arrêter. Palabre là, je peux arrêter. Ceci là, je peux arrêter. Lui là, je peux arrêter. Celui-ci, je peux arrêter. Mais ça là, Pourtant, c'est ça même que tu dois arrêter aussi. Donc, pour celui qui commet toujours l'adultère, il n'est qu'il arrête aujourd'hui même. Aujourd'hui, je suis en train de parler là. Il faut arrêter même. Je ne plaisante pas. La vie éternelle, là, ça, se ne vend pas, ça ne se vend pas 2 à 5 francs. Ça a un prix énorme. Ce n'est pas ce qu'on vous dit partout. Vous pensez que la vie éternelle, ça s'acquiert aussi facilement. 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 Comment facilement? Donc, Jean-Baptiste, on a coupé sa tête là. Tu penses que c'est couper la tête de quelqu'un à faire de Dieu? Toi-même, tu as dit c'est facile. Tu as fait quoi pour Dieu? Et puis que tu veux que Jean-Baptiste, à cause du travail, à cause de la parole de Dieu, on a coupé sa tête pour lui donner la vie éternelle. Toi, tu as fait quoi pour qu'on puisse te donner la même vie éternelle? Donc, quand tu as tué Esaïe, les apôtres qui sont restés derrière ici, là, on les a maltraités. D'autres ont été décapités, tués partout. À cause de la parole, même parole de Dieu qui se trouve aujourd'hui parmi vous, où je suis en train de vous annoncer, à cause de moi qui tape dans ma poitrine là, on les a tués. Mais pourquoi les humains? Mais vous ne réfléchissez pas même. Parce que vous lisez la Bible, simplement, un peu partout, vous voyez tout est beau dans la Bible, vous pensez que ça a été beau comme ça. Hein? En Israël, tout a été facile. Et on vous annonce le côté bon, de telle sorte que vous pensez que tout est facile. Si le monde finit, où je meurs, j'ai la vie éternelle aussi facilement. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? D'abord, toi-même là, tu prends moi, Dieu là, mon nom, pour chercher l'argent. Et puis moi, je te dis, moi, Dieu, je suis sur terre, tu m'insultes. Peut-être que tu sais ce qu'il y a été fait même. Tu connais. C'est comme quelqu'un prend toi ton nom, et puis il est en train de ramasser l'argent. Et puis, cette personne a beaucoup d'argent, mais quand il entend parler de toi, il dit, c'est pas toi, tu as fait, lui, il a eu l'argent. Que c'est une autre personne, alors que c'est toi. Donc toi, tu seras content. Non? En fait, si ce n'est pas moi Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est effectivement moi Dieu, qui suis sur terre, il y a problème. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce que les humains font sur terre, là, où ils vont prendre la magie pour venir, c'est pas éblouir les hommes, embrouiller les gens. Fais du bruit dans l'oreille des gens, ouyo, 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 et puis le fond là, c'est tonneau vide là. Ceux-là, qui sont des milliers, qui sont sur la terre, qui sont mieux vus là, vous pensez que si jamais, moi, je suis en train de parler là, si effectivement je suis Dieu, parce que d'autres disent que je ne suis pas Dieu, moi aussi je dis que je suis Dieu. Donc, si moi je suis effectivement Dieu, qui suis sur terre, pensez-vous que ceux-là, ils n'auront pas de problème? Mais ils auront problème. Ils n'auront pas problème si ce qu'ils font là provient de Dieu. Mais si jamais ce qu'ils sont en train de faire est opposé à Dieu, il y a danger. En fait, ces gens de personnes ne savent pas qu'il y a un jugement qui vient. Parce que quand tu vas à l'église, que tu sais qu'il y a un jugement dernier, que le Dieu va juger le monde, que si tu meurs, tu peux rendre compte à Dieu. Ce dernier-là, il ne va pas aller chez l'ennemi de Dieu pour aller prendre quelque chose, pour rentrer dans la maison de Dieu, supposée maison de Dieu, pour venir faire quoi que ce soit. Vous qui êtes ici, là, allez-y prendre aussi, vous allez venir. Il y a des gens qui seront fous ici. Fous!
Donc, vous les prédicateurs là, allez-y prendre un médicament pour venir aussi. En tout cas, si vous êtes parti prendre là, ne rentrez pas chez moi ici. Parce que si vous rentrez ici là, vous devenez fou en même temps. Après, ça vous dit que l'église, les dieux là, ils tuent. Ou bien ils rendent les gens fous. Moi, ils ne rendent pas fous. Hein. C'est toi qui t'es rendu fou. Parce que si moi, je mets mon esprit en toi, l'esprit de Dieu est en toi, ou bien tu es là, tu viens dans le temple, tu cries. Tu cries comme ça matin, midi, soir. Et puis c'est toi. Tu vas prendre ta main gauche là pour prendre quelque chose que moi je n'aime pas. Mais celui qui fait en toi là, est-ce qu'il est content? Mais il va se fâcher et puis t'abandonner. Maintenant, en t'abandonnant, sur colère, c'est quoi qui arrive? Là, il faut trouver la solution. Maintenant, quand tu es devenu fou là, c'est moi qui. Parce que ta folie là, ça ne vient pas de quelqu'un. Hein. C'est parce que tu es venu chez moi ici que tu es devenu fou. Donc tu as tourné jusqu'à c'est moi chez moi ici, c'est moi qui a enlevé ta folie là. Maintenant, ce que toi tu as fait et puis tu es devenu fou là, tu as dit. Mais tu ne vas pas les cacher quelque part et puis tu as fait et puis on te guérit là-bas. Si on t'a guéri là-bas, c'est que ce n'est pas moi qui. C'est pas parce que tu m'as fait quelque chose, tu m'as offensé que tu es devenu fou. Si tu m'as offensé et tu es devenu fou là, qui peut te guérir? Qui? Qui si c'était? Personne? C'est moi! Parce que le problème c'est quoi? C'est toi, regardez. L'esprit de Dieu qui vous prend là. Quand je dis tu as devenu fou, c'est quoi? C'est la montre. La montre, elle tourne pour aller à gauche ou à droite. À droite. Maintenant, quand tu es dans le peuple de département de Côte d'Ivoire, que l'esprit de Dieu t'habite, que tu fais ce genre de trucs, au lieu que la montre là-bas tourne pour aller à droite, ça va où? Ça va à gauche! La montre là, ça va, au lieu d'aller comme ça, tchè, 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 ça va faire comme ça. Tchè, tchè, tchè. Donc toi, tu ne seras pas à l'heure. Voilà. Ce n'est pas. Moi, regardez, bon, toi, Alexandre, toi, moi, je me suis occupé de toi jusqu'à. J'ai mis mon esprit en toi jusqu'à. Tu as travaillé jusqu'à. Et puis un beau matin, il se lève et puis dit non, vraiment, moi, vraiment, hein, de toute façon, les gens sont en train de faire, je vais faire aussi. Et puis tu vas prendre quelque chose là-bas, médicament. Je n'ai pas parlé où. Mais toi, ton heure là, Dieu déprogramme. Pour vous déprogrammer là, vous pensez que moi j'ai mis mon esprit en vous pour rien. Mon esprit que je m'aime en vous là, et puis vous tournez là. Regarde, quand on fait culte, et puis vous travaillez, et puis vous tournez là, ce qui vous prend là, est-ce que l'endroit où tu veux partir, est-ce que c'est là-bas et ta voix? Souvent, ce que l'esprit prend, et puis vous voyez, ils sont en train de se mouvoir là. Ce n'est pas parce que eux, leur intelligence n'est pas là. Leur intelligence là, ça est là. Souvent, eux-mêmes, ils ont l'idée, ils nourrissent des idées. Ils nourrissent eux-mêmes des idées, mais l'esprit qui en eux n'obéit pas à leurs idées. C'est-à-dire qu'il est là, et puis il regarde comme ça. Lui, dans son feu intérieur, il veut aller de ce côté-là. Ou bien il veut aller vers quelqu'un. L'esprit qui est en lui là, si c'est un ange là, il ne va pas là-bas parce que ce n'est pas là-bas, il veut aller travailler. Il va prendre la personne pour venir ici. Mais tu vas voir, tu es ici. Ce que l'esprit de Dieu prend là, ils savent de quoi je parle. Bon, le plus souvent, peut-être que si tu as envie d'uriner, que ça te sert bien. Là, quand tu as envie d'uriner, il va te prendre pour partir. Sinon, dans le cas contraire, tu es là. Ça veut dire que Dieu là, il vous maintient. Et il est jaloux. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le véritable, il est jaloux. Et donc, si lui, par exemple, il s'en fait ça, je vais dire quoi? Je ne vais rien dire. Mais moi, ce que je vais faire, et puis je vais la voir, c'est quoi? C'est de le déprogrammer. Pour vous programmer là, c'est un petit bouton, on tourne comme ça. Et puis c'est fini. Tu vas voir, la personne a fait rien, zéro. Toi-même, tu es là comme ça, on dirait même que tu es devenu fou déjà. Mais ta folie là, c'est quand il est tourné comme ça que tu es devenu fou, parce que je ne suis pas content de ce que tu fais. Mais pour qu'on puisse retourner comme ça, c'est moi qui vais te mettre à la place. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire ce genre de choses là aussi. Vous ne pouvez pas, à cause de votre Dieu qui est vivant. C'est parce que ces gens là, ils n'ont pas. Ce n'est pas Dieu qui est avec eux. C'est pourquoi ils arrivent à faire certaines choses et puis ils sont à l'aise, ils rient, ils mangent, ils sont aimés. Mais vous,
Non. N'empruntez pas ce chemin. Voilà pourquoi souvent je vous dis, n'allez pas chez les marabouts. Vous, les femmes qui vendez au marché là, n'allez pas voir les marabouts. Ça, c'est zéro. On dit c'est zéro bidé. C'est bidé. Parce que ton boutage que tu vas faire là, ça ne va pas rapporter. Vous pouvez essayer, essayez voir. Les gens, les autres vont partir. Pour eux, là, ça va marcher. Ils vont acheter ce qu'ils vendent. Mais toi, Patmosien, tu es allé chez Marabout là. On va monter, on va descendre. Ton maraboutage là, ça ne va jamais marcher. Si on achetait 20 francs par jour là, si tu es parti pour ton Marabout là, c'est 10 francs, ils vont acheter maintenant. Et puis si tu ne fais pas attention, c'est 5 francs, tu vas redescendre à 5 francs. Parce que mon Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc ne m'envoyez pas sur des terrains que moi je ne maîtrise pas. Parce que chez Satan là, je ne maîtrise pas lui son domaine. Hein. Et puis je n'ai même pas envie hein, de maîtriser le domaine de Satan. Parce que c'est mon ennemi. Lui, sa stratégie là, je connais. Mais je m'en fous de lui, son champ. La manière dont lui va faire pour labourer son champ là, ce n'est pas mon problème. Mais moi, mon champ, la manière dont je dois faire pour labourer mon champ, c'est ça qui est moi, mon souci. Croyez fermement au Dieu de Naomi. Attrapez fort. Un jour, vous allez voir Abraham. Un jour, vous allez voir Moïse. Un jour, vous allez voir Jacob. David. Lui-même qui a eu pouvoir sur Goliath là. Vous allez le voir. Et vous serez amis. Vous allez marcher ensemble. Vous allez faire tout ensemble. Si vous voulez manger ensemble. Vous promener ensemble. Le monde au ciel, c'est un monde vaste. Ce n'est pas parce qu'au ciel, il n'y a pas de voiture. Il y a des voitures au ciel. Il y a des avions au ciel. Regardez, les milliers d'hommes qui ont servi Dieu, qui sont décédés, qui sont au ciel, qui attendent le jugement dernier, qui attendent le travail de la fin du monde, afin de rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Regardez, les hommes de Dieu là, est-ce qu'ils peuvent savoir, ils peuvent maîtriser tout ça là? Ce que vous connaissez, le monde ne connaît pas. Parce que vous êtes avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Et donc, vous avez l'esprit ouvert en matière de Dieu. Amen. Vous savez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses que le monde ne sait pas. Si vous, les prédicateurs, vous n'expliquez pas à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ, après 40 jours sur terre, a dit au revoir aux apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé. Tous ont vu le Seigneur Jésus-Christ aller au ciel. Mais si tu demandes à un homme de Dieu ici que le Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui peut répondre? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Personne ne peut répondre. Mais moi, je peux vous détailler de A à Z ce qui s'est passé, le phénomène qui s'est passé là-bas. Parce que c'est moi qui ai effectué ce travail-là. Ce n'est pas le monde. Et donc, Patmos, tous les prédicateurs le savent. Mais voilà pourquoi je dis le monde là. Les hommes de Dieu que vous voyez là, ils ne peuvent pas, concurrencer avec Patmos en matière de parole de Dieu. Non. Nous, on est spirituel. Vous êtes physique. Quelqu'un qui pense spirituel et quelqu'un qui pense physique, est-ce que ces deux-là peuvent discuter? Non. Vous êtes spirituel. Vous êtes dans le monde spirituel. Vous comprenez que Christ est descendu. Quand je dis par exemple que je suis Christ, ça n'offense pas 90% des personnes ici, mais 95%, 98%. Parce que les étrangers, on va les évaluer à combien? À 1%. Les étrangers à 1%. Donc ça veut dire quoi? 99% ici comprennent. À dire que moi je suis Christ, c'est les 1% peut-être qui doutent que c'est moi qui suis Dieu.
Et donc, ce qui se passe dans le spirituel, moi je vois. Ce qui se passe dans le physique, moi je vois. C'est parce que je vous ai expliqué en long et en large ce phénomène-là, comment ça s'est passé au ciel. Vous avez bien compris que vous comprenez aujourd'hui ce qui se passe. Parce que les gens pensent que le Seigneur Jésus-Christ blanc, qu'ils ont vu en Israël, c'est ce Seigneur Jésus-Christ blanc-là qu'ils vont trouver au ciel. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ blanc, que Dieu blanc en Israël, les gens quand ils vont à l'église, ils pensent que s'ils meurent, qu'ils vont au ciel, ils vont voir le blanc-là qui est assis là-bas. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Les hommes qui... Est-ce que toi, aujourd'hui, là, est-ce aujourd'hui, toi, à les hommes, ça est en toi que le Seigneur Jésus-Christ blanc, ça, si tu arrives au ciel, tu vas le voir là-bas. Est-ce que ça est dans ta tête? Non. Ça n'est même pas dans vos têtes même. Et puis vous-même qui êtes là, est-ce que ça est dans vos têtes que si vous mourrez aujourd'hui, au ciel là-bas, vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ blanc là-bas? Non. Mais et le monde, les autres églises, là? Quand toi, tu étais à l'église, comment on appelle ça? Assemblée de Dieu. Comment tu vivais ça? Tu te disais quoi? Tu te disais que c'est le blanc que tu allais voir au ciel. C'est en cela que les catholiques disent quoi? Les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent? Le catholique, il se dit que là-bas, il va voir Jésus-Christ blanc. Voilà pourquoi il dit Marie, est mère de Dieu. Ça, c'est trop long. Ils vont intercéder, non? Marie, aie pitié de moi. Demande pardon à ton fils, Jésus-Christ, pour qu'il puisse me pardonner et m'accepter dans sa demeure. Ya? Marie, pardonne-moi. Demande pardon à ton fils. Ton fils aussi va demander pardon à son père. Pour qu'il puisse m'accepter. Ça veut dire là-bas, il y a combien de personnes? Il aura Marie là-bas. Et il aura Jésus-Christ blanc. Et puis il aura le père de Jésus-Christ. Que lui, on ne connaît pas sa couleur. C'est ça qui sont là-bas. Alors que c'est fou. Au ciel, tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus-Christ blanc. Et Seigneur Jésus-Christ blanc. Au ciel, c'est qui on voit là-bas? On voit Dieu, un point, un trait. Il n'y a pas Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas Esprit de Dieu. Là-bas. Au ciel, on a Dieu. Dieu est Dieu. Un. Il est assis là-bas. Son trône. Bouya. Tout le monde se prosterne. Il n'y a pas à droite. Le Père, le Fils est assis à sa droite. Le Saint-Esprit, c'est pas si c'est à sa gauche. Les trois forces, les trinités, ou bien c'est pas quoi. Tout ça, c'est compliqué. Tout ce, ça là, ce que vous dites là, c'est sur la terre ici. C'est dans le physique ici. Quand on se réfère dans le spirituel là, il n'y a pas ça là-bas. Bien. Ça veut dire quoi? C'est pour vous les étrangers, ils sont en train de... Parce que ceux-là, ils connaissent. Voilà pourquoi ils sont assis ici. Donc, les étrangers là, c'est à cause de vous que je suis en train de détailler tout cela. Ça là, c'est peut-être que c'est compliqué pour vous, mais c'est petit. Ça dit ici là même, ce n'est rien. Ça dit, on s'amuse avec ça. Ça là, c'est baka. C'est pas, on ne met pas piment dedans. Ça, c'est baka là. On boit. Il n'y a pas piment dedans. Mais quand on va donner baka là, arriver à un moment là, on va mettre piment dedans pour vous donner. Hein. Parce que ceux-là, ils ont goûté piment là déjà. Donc, ils sont aguerris. Vous venez d'arriver. Donc, c'est baka là, on va vous donner. En fait, on va vous expliquer petit à petit, petit à petit. Amen. Et donc, quand on dit le Seigneur Jésus-Christ, Marie, a accouché, c'est ce que le dirigeant a essayé de vous relater ici. Le Seigneur Jésus-Christ c'est l'enfant de Marie. Marie, elle est humaine. Ça veut dire que Marie... Parce que vous,
Ça là même, c'est le prédicateur qui doit vous expliquer ça, n'est-ce pas? C'est le prédicateur. Hein? C'est le prédicateur là. Les prédicateurs eux-mêmes, ça là même, ils n'expliquent pas trop ça. Les dirigeants, bon, voilà. Les prédicateurs, ils vont devant. Hein? Parce que ça là même, c'est petit, n'est-ce pas? On suppose que tous vous connaissez. Le Seigneur Jésus-Christ, blanc, c'est un corps que Dieu habite. On dit le contenant et le contenu. Le contenant, c'est quoi? Le contenant, c'est le corps blanc que vous voyez, physique. Le contenu, c'est ce qu'on ne voit pas qui est dans le corps blanc. Les deux sont unis. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle aussi Dieu. C'est parce que Dieu l'a habité qu'il est devenu Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Marie qui a accouché Dieu. Marie a accouché l'enveloppe que Dieu a utilisée. Voilà. C'est une enveloppe pure. N'est pas pécheur. Voilà pourquoi est-ce que Joseph et puis Marie n'ont pas eu de rapport. Pour ne pas que l'enfant soit pécheur. Vos enfants que vous accouchez là, vous accouchez là, ils sont nés pécheurs. Du père et de la mère, ils sont pécheurs. Mais lui, il n'est pas pécheur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a mis l'enfant dans le ventre de Marie. Et puis Marie a accouché l'enfant. Ça veut dire que l'enfant n'est pas pécheur. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça parce que dans l'avenir, le sang de l'enfant va couler au nom de Dieu pour effacer le péché des humains. On ne peut pas prendre un torchon sale pour essuyer un lieu sale. C'est possible? On ne peut jamais prendre un torchon sale pour essuyer une maison sale. On prend toujours quelque chose de propre pour essuyer quelque chose de sale. Et donc, le sang qui doit couler pour effacer le péché de l'humanité ne doit pas être le sang d'un enfant, d'un homme pécheur. C'est tout. Hein? Sinon, Marie et puis Joseph, là, ils pouvaient être ensemble et puis faire un enfant, Dieu va l'utiliser. Mais pourquoi ça n'a pas été comme ça? C'est parce que dans l'avenir, on devait crucifier l'enfant, sacrifier l'enfant. Le sang devait couler pour effacer le sang des pécheurs. Parce que ce qui est pur doit effacer ce qui n'est pas impur. C'est tout. C'est à cause de tout ça là, que Marie là, n'a pas eu de rapport avec Joseph et puis ils ont fait enfant là. C'est pour que son sang puisse vous purifier. C'est tout. C'est très simple. Si on ne pouvait avoir un rapport et puis Dieu va l'habiter, ça veut quoi? C'est tout. Maintenant, l'enfant qui est né, c'est l'enveloppe. Pour que Dieu puisse agir sur terre, il faut que Dieu puisse avoir un lieu où habiter. C'est en cela que Marie, Dieu lui-même, comme il allait venir sur terre, Dieu lui-même, il allait s'adresser à l'humanité. Dieu lui-même, il allait se manifester. Dieu lui-même, il allait faire couler son sang. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a fait de telle sorte que Marie puisse enfanter et accoucher un enfant. Ça n'a pas été facile. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Parce qu'en Israël, ça a été catastrophique. Voir que Marie n'a pas eu de rapport avec Joseph et puis il a enfanté, c'est catastrophique. C'était honteux pour la famille de Marie. Et puis c'était aussi honteux pour la famille de Joseph. Joseph avait honte parce qu'il s'est vu trahi par sa femme. Bon, tout ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais vous-même, vous savez que si c'est vous, vous serez scandalisé. Joseph a été scandalisé, mais il a été réconforté par Dieu lui-même qui a envoyé son ange vers son homme pour le réconforter. Et il a bien compris, il a accepté sa femme. Il devait l'accepter parce que si Joseph n'acceptait pas Marie, Dieu n'allait pas pouvoir faire le travail qu'il avait voulu. Parce qu'ils allaient dire que l'enfant là, c'est un enfant adultérin. Ils allaient l'insulter. Bien que Joseph a accepté la grossesse, mais on dit que l'enfant là, c'est un enfant adultérien. Voilà pourquoi est-ce que quand mon Dieu, je travaille sur la terre, quand on dit où est ton père, je dis mon père est où? Au ciel. C'est que j'ai un père. En Israël, là, c'est ce qu'on me demandait, je dis mon père là-haut. Et puis je disais que c'est Marie là, mais ce n'est pas ma mère. Marie là, quand je travaillais, j'ai dit que Marie là, ce n'est pas ma mère. Marie a fait des enfants. J'étais moi Dieu, moi, mes frères. Mais j'ai dit non. On va quitter là-bas. Que moi, mes frères, mes enfants, mes frères, là, c'est ceux qui me suivaient
et qui écoutait ce que je disais. Mais si toi tu n'écoutes pas, tu es qui pour moi? Non. Vous pensez que c'est qui faisait ça? C'est Dieu, le contenu qui est invisible, qui est Dieu qui a habité le corps. Il a habité le contenant. Le contenant, c'est blanc. Pourquoi le contenant est blanc? Le contenant là, il est blanc parce que c'est chez les blancs là-bas que Dieu est descendu. Donc s'il doit prendre un corps pour habiter, pour travailler, ce n'est pas un corps noir. Pas parce que là-bas, il n'y a pas de corps noir là-bas. Et tous sont blancs, 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 blancs. Donc si Dieu doit prendre un corps là-bas pour travailler, le corps sera comment? Il sera blanc. C'est logique. Bien logique. Donc c'est un corps blanc. Cela ne veut pas dire que Dieu est blanc. Non! Dieu n'est pas blanc. Vous avez dans vos têtes que Dieu est blanc. Dieu est blanc, c'est un blanc. Dieu, ce n'est pas un blanc. Dieu n'a pas de couleur. Il n'est pas un blanc, il n'est pas blanc, il n'est pas noir. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ représentait Dieu sur terre parce que Dieu était dans ce corps. Ils étaient un. On dit l'invisible dans le visible. Le visible devient l'invisible. Et puis l'invisible aussi devient visible. Il y a eu fusion, les deux. Donc on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer parce qu'ils sont unis. Donc c'est bloc. Et c'est ce bloc-là, cette puissance-là qui a travaillé en Israël, qui a fait les miracles. Et c'est ce bloc-là qui a effectué ce grand, ce gros travail en Israël. On dit que Dieu a ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus-Christ a marché sur les eaux. Ce n'est pas l'enfant que Marie a couché qui a marché, mais c'est le contenu qui a utilisé le contenant pour marcher sur l'eau. Bien. Dieu, pourquoi vous les hommes de Dieu là même là, vous êtes nuls comme ça. Vous ne connaissez rien. Quand on vous parle là, vous ne voulez même pas écouter. Venez, les prédicateurs vont vous enseigner. Vos enseignants là, vous les hommes de Dieu, vous dites que vous êtes grand, vous parlez ho-ho là. Vos enseignants là, c'est eux qui sont là. Ils sont assis là, ils vont vous enseigner. Ils vont vous enseigner. Les prédicateurs là, ceux-là. Si vous voulez ouvrir école pour enseigner, vous allez voir. Mais quand vous allez enseigner les gens là, et tout ce que vous allez enseigner là, ils vont sortir pour partir pour être prophètes. Oui, ils seront prophètes. Et donc, le corps qui a travaillé avec Dieu a été... On va sauter un peu pour aller rapidement. Parce qu'il est midi, il y a certaines personnes, c'est à midi, ils mangent, n'est-ce pas? C'est à midi, vous mangez, non? Actuellement, il est midi 30. Il y a d'autres, les estomacs, là, actuellement, ça est au talon. Donc, si on va trop loin, ils risquent de ne plus entendre. Il ne faut pas dormir. Il faut écouter. Si tu dors, je capte en baoulé. Et puis tu ne vas rien comprendre encore. Ah mais c'est ça? Tu es en train de dormir. Je suis en train de... Je me force pour parler en français pour que vous puissiez comprendre. Tu dors. Mieux vaut capter en baoulé là-bas et puis je suis parti. Parce que si il a commencé, il dit, mi wan yo, tout de suite là, tu comprends rien. Que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui sont en train de traduire, qui sont là. Je suis... Moi-même là, je suis content. Je suis fier parce que il y a même des professeurs, peut-être des agrégés qui sont là, qui essaient de rectifier un peu ce que je dis, n'est-ce pas? Ce que je dis est tordu, vous rectifiez bien. Quand ils vont lire là, bien joli, on dit c'est comme ça qu'il a parlé, c'est pas moi. Hein? Oui, quand je parle, ils rectifient bien, n'est-ce pas? Si je dis, je devais dire maintenant une voiture, je dis un voiture. Toi, tu vas écrire une voiture là-bas. Faut écrire, tu vas voir. Il faut laisser, ils vont se moquer de moi, mais toi, il faut rectifier là-bas. Et puis quand ils vont le dire là, ils vont bien comprendre. Que Dieu vous bénisse. Et donc, sur la croix de Golgotha, on a crucifié. Christ a été crucifié. Mais est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Si l'immortel, on dit l'immortel, celui qui ne meurt pas, habite ce qui meurt là, il devient ce qui ne meurt plus. Et ce qui ne meurt plus devient ce qui meurt. Ils sont un. Donc le corps qui devait mourir ne peut plus mourir.
tant que celui qui ne meurt pas est en lui, pour que celui qui ne meurt pas qui est en lui, celui qui meurt puisse mourir, il faut que celui qui est en lui qui ne meurt pas puisse sortir. Et c'est ce phénomène-là qui s'est passé sur la croix. Parce que sur la croix de Golgotha, il y avait celui qui ne meurt pas dans celui qui meurt. On l'a crucifié, il ne peut pas mourir. Il souffre, mais il ne meurt pas, quel que soit le fait. Mais il a fallu, il faut que celui-là meure. Le sang coule. Il faut que celui qui est en lui qui ne meurt pas puisse sortir. Et celui qui est en lui qui ne meurt pas, qui est Dieu, a abandonné le corps pour que le corps puisse rendre l'âme. C'est en cela que quand Dieu a abandonné le corps a commencé à crier, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? On dit Elohim, Elohim, là-bas, Sabbatani. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? À l'instant, aujourd'hui, ils sont en train de me tuer. Toi qui as travaillé avec moi, tu as fait des miracles avec moi. Aujourd'hui, je suis dans la tristesse. Ils sont en train de me tuer, tu m'abandonnes, Seigneur. Mais il faut que Dieu abandonne le corps pour que soient accomplies les Écritures. Et Dieu a abandonné le corps. Le corps pour aller au séjour des morts. Si vous lisez la Bible, ça y est là-bas. Et le corps a rendu l'âme. On l'a pris sans le jeter quelque part là-bas. Celui qui est l'immortel là, qui est important, parce que le corps lui-même là, il n'est pas important, mais il faut que le corps soit là pour que Dieu lui-même puisse parler aux gens. Voilà pourquoi c'est le corps est là. Mais quand Dieu a abandonné le corps, il est devenu un sac vide. On a pris le sac, on allait jeter quelque part là-bas. En son temps, on ne creusait pas de trous. Dans les grottes là, on les met là-bas, on ferme. Mais Dieu, il est allé au séjour des morts pour aller dire là-bas. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, le blanc là, qui est allé là-bas. Celui-même qui est allé, la séparation là, celui-même qui est allé au séjour des morts là, c'est lui qu'on appelle Dieu là. Ce n'est pas le corps qui est couché là-bas dans le tombeau là. C'est celui qui est parti. Dans les... Donc on comprend comme ça que Dieu il est parti au séjour des morts. Il a annoncé là-bas que le jugement dernier est proche. Confessez-vous. Là-bas, on ne se confesse pas. Apprêtez-vous, on pèsera quoi? On va peser les péchés et les biens. Si tes péchés sont supérieurs aux biens, on fait quoi? On te botte dans le feu là-bas. Si ce que tu as fait est bon, allez au paradis. Donc Dieu, il est parti, il a annoncé que le jugement dernier vient très bientôt, arrive très bientôt, qu'il n'a qu'à s'apprêter. Quand il a fini là-bas, on dit ça fait combien de jours? 3 jours. Celui qui est parti là-bas, si c'est quoi ou, il est revenu sur terre. Mais quand il est revenu sur terre là, pour qu'on puisse savoir qu'il est revenu, il faut qu'il fasse quoi? Mais il faut qu'il porte son habit. Il faut qu'il parte porter son habit là. Donc il allait pour porter son habit. Quand il allait rentrer dedans encore, on dit que le Seigneur a fait quoi? Il est ressuscité. Mais ça là c'est facile devant Dieu. On dit le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Mais voici le clou. On dit gloire à Dieu. Annoncer la bonne nouvelle pendant 40 jours. Les 40 jours terminés, mes enfants, je vais vous abandonner. J'irai au ciel. Mais si Dieu n'avait pas pris le corps blanc là, est-ce que quand en allant au ciel, quelqu'un allait le voir? C'est parce qu'il veut que le monde entier sache qu'on puisse écrire qu'il a abandonné le sol, la terre, qu'il est parti. Voilà pourquoi est-ce que il est parti rentrer dans le corps pour qu'on puisse le voir encore. Pour qu'en partant, on sache qu'il est parti. Sinon, si le corps restait là, que lui-même il partait, il pouvait partir. Dieu pouvait partir. Mais s'il va, qui va savoir qu'il est parti? Personne. Donc il fallait rentrer encore dans le corps, apparaître et puis prendre le corps là et puis partir au ciel. Maintenant les hommes pensent que le corps là, que Dieu est rentré dedans et puis il est ressuscité et puis il a pris, il est allé au ciel là. Le corps là est arrivé au ciel là-bas. Que ça, le corps se trouve au ciel, qu'arrivé là-bas ils vont voir. Non. Le corps ne te trouve pas là-bas. Le corps, quand Dieu a pris le corps, arrivé en haut, il y a eu encore séparation. Parce que d'abord sur la terre, il y a eu déjà une séparation. Donc c'était plus difficile. Donc en haut, il y a eu encore séparation. Dieu est parti placer le corps blanc là, dans un endroit bien précis. Un endroit bien secret. En haut. Et Dieu lui-même, il est allé dans sa
demeure. Ça veut dire quoi? Sur la terre, il y a eu séparation. Après, il y a eu fusion. Quand ils sont partis en haut, il y a eu encore séparation. La séparation, Dieu il est parti chez lui, dans sa demeure. Maintenant, le corps, lui, a été placé dans un endroit bien précis. Symbole. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça, a créé ce lieu-là. Parce qu'à la fin du monde, ceux qui ne vont pas mourir là, ils seront enlevés. Et pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Regardez, sur la terre, quand quelqu'un meurt, on l'enterre, non? Son corps fait quoi? Son corps pourrit. Mais qu'est-ce qui va chez Dieu? Ce n'est pas l'âme. Maintenant, à la fin du monde, vous serez enlevés. Vos corps ne vont pas pourrir. Si les autres, leurs corps ont pourri, ne sont pas arrivés au ciel là-bas, c'est vous, vos corps là-bas, vont arriver là-bas. Mais pourquoi les gens, les hommes là, de Dieu là, ils n'arrivent pas à essayer de comprendre cela? À la fin du monde, ceux qui ne vont pas mourir, quand le monde là fini, Dieu va les enlever. On appelle ça l'enlèvement. Ça veut dire que vous n'allez pas mourir, mais vous serez enlevés par la puissance même de Dieu. Vous allez quitter ici, tout le monde ne va pas mourir. Mais quand vous serez enlevés, arrivés au ciel, là où Dieu lui-même a mis son corps blanc, c'est un endroit bien précis qu'il a déjà tracé. C'est là-bas que Dieu va déposer tous vos corps qui doivent pourrir sur la terre, qui ne sont pas morts, que Dieu a utilisés pour rendre grâce son nom. C'est là-bas seront déposés tous les corps qui seront enlevés. Et puis les âmes vont aller vers leur père. Amen. Et donc au ciel là, le corps blanc là n'est pas là-bas. Le corps blanc là, bien que souvent, quand vous rêvez, si Dieu veut se révéler à vous, vous voyez le corps blanc. C'est le corps là, il l'utilise, très simplement. Mais cela ne veut pas dire que lui, Dieu, parce que c'est ce que vous connaissez. Aujourd'hui, si Dieu, moi Dieu, je vais me révéler à vous, souvent vous voyez le corps là, noir là. Quand vous voyez le corps noir là, vous parlez, vous saviez que c'est qui? Vous dites que ah, Dieu m'a parlé, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé. C'est parce que vous savez que c'est ici que j'habite. C'est dans le corps là que j'habite. Maintenant, moi Dieu là, je peux prendre deux. Vous pouvez voir blanc, le blanc là, il peut aller vous parler. C'est Dieu lui-même. Vous pouvez voir moi actuellement, mon visage que vous voyez là. Mon vilain visage que vous voyez là. Vous pouvez me voir dans vos rêves. Est-ce que l'homme fait rêve à quelqu'un? Vous pouvez me voir. Je vais vous parler. Mais quand vous vous levez, vous dites quoi? Que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a parlé. Que Dieu vous bénisse. Et donc au ciel, il n'y a pas de Seigneur Jésus-Christ blanc là-bas. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Où on dit que Marie, parce que Marie elle-même là, ce n'est pas son corps là qui est au ciel. Hein. Marie là, c'est son âme qui est au ciel. Donc les âmes là, il n'y a pas papa de quelqu'un là-dedans. Ça dit quoi? Ça dit que si tu avais fait un enfant, c'est ton enfant. Mais son âme là, ce n'est pas ton enfant. Ça veut dire que si vous devez vous mourir, on enterre vos corps, c'est vos âmes qui apparaissent devant Dieu. Ton âme ne va pas dire que c'est son enfant qui est l'autre âme là. Hein. Non, parce que les âmes là, ils sont tous même chose. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Ils sont tous même chose. Jolis. Ils sont beaux, très beaux. Des êtres magnifiques. Les âmes là sont trop jolies. Donc, Marie là, son âme là, ne peut jamais être maman de Dieu. Jamais. Parce que Dieu lui-même là, il n'a pas papa, maman là-bas. Et donc, Marie là, on ne peut pas dire à Marie, il faut demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même là, c'est Dieu. Et le corps là n'est pas là-bas. C'est-à-dire le corps que Marie a engendré là, il est resté quelque part, il n'est pas arrivé là-bas. Marie aussi, son corps là, n'est pas arrivé au ciel là-bas. C'est-à-dire papa, enfant, maman et puis enfant là. Leur corps là, où on dit voici mon enfant là, ils sont restés à l'écart. Maintenant, c'est les âmes qui sont là-bas. Il y a une âme qui est pour Marie. Et puis il y a Dieu lui-même qui a habité le corps blanc là, qui est là-bas. Donc Marie, son âme là-bas dit que c'est son enfant qui est Dieu. Oh, vous aussi. Réfléchissez un peu, les humains. Vous êtes sur la terre, même la parole de Dieu là, on vous a donné la parole de Dieu, on vous a dit d'apprendre, mais réfléchissez un peu, essayez d'analyser, ne lisez pas la Bible, ne lisez pas la Bible comme un roman. Hein? Les gens lisent la Bible là comme un roman. Non, on ne lit pas la Bible comme un roman. Essayez de réfléchir un peu, d'analyser un peu, et si vous réfléchissez un peu, vous allez comprendre certaines choses, pas tout, mais un peu. Et donc au ciel,
il y a Dieu seul qui est là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, on ne parle pas de Seigneur Jésus-Christ au ciel. On parle de Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Parce que quand Dieu quitte le ciel, qu'il arrive sur la terre, il est obligé d'avoir un logis. Un lieu où il va loger. Et c'est ce lieu-là qui se nomme Jésus-Christ. Amen. C'est le même nom, ça ne va pas changer. Si Dieu, si le travail a fini, que Dieu s'en va, que le monde ne finit pas, qu'il doit venir encore, s'il est allé chez les... Parce que Dieu est parti chez les blancs. C'est blanc ou bien c'est les jaunes. C'est les blancs. À la fin, là, il est venu chez qui? Chez les noirs. Si Dieu doit venir encore, là, c'est chez les jaunes. Et donc, si Dieu doit venir encore, si le monde ne finit pas qu'il doit venir encore, c'est chez les jaunes. Et là-bas, il va prendre un corps jaune. C'est comme ça. Aujourd'hui, Dieu est descendu. Dieu a aimé la Côte d'Ivoire. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Dieu est descendu. Et si Dieu doit prendre quelqu'un pour y habiter, ce n'est pas les blancs, c'est les noirs. Parce qu'ici, il n'y a pas blanc. Tout le monde est noir. Amen. Non? Et donc, quand on vous dit que la prophète Naomi, elle parle avec Dieu directement, effectivement, Naomi parle avec Dieu directement. Ça fait 40 ans. Elle voit Dieu de ses propres yeux. Seigneur Jésus-Christ descend sur terre, se révèle à elle. C'est glorieux. Quand je sais que je suis en train de vous dire, c'est pas parce qu'elle dort. Hein? Quand Dieu même descend, elle voit. Il y a des gens ici que la prophétesse Naomi leur a raconté tout ça. Il y a des gens ici. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même faisait avec elle. Quand il vient sur terre, Dieu vient sur terre. Après, il dit, Naomi, je vais au ciel, je vais regarder un peu là-bas et puis je viens. Dieu là, il s'en va. Après, il revient. Il fait quelques jours sur terre. Ça, c'est avant que Dieu même habite quelqu'un. C'est quand Dieu a habité l'homme là, qu'il a arrêté de faire ça avec Naomi. Sinon avant, Dieu vient sur terre. Fin de semaine. Dieu, il vient fin de semaine. Il fait le culte, il finit le culte. Quand le culte finit, et puis il remonte. Naomi, je vais regarder au ciel un peu pour venir. Quand Dieu il s'en va, vendredi, samedi, il vient. Il descend, il est là. Il fait le culte. Les dimanches, quand on fait culte, les deux chaises sont comme ça. Et quand elle va au temple, elle s'assoit dans une chaise. Et puis l'autre chaise est vide. L'autre chaise là, au début, l'autre chaise là est vide. Il y a les deux chaises qui sont là. Les deux chaises que vous voyez, ce sont les chaises des deux oliviers. Ça, c'est la chaise de la prophétesse. Et puis, il y avait l'autre chaise qui était là. Mais en son temps, lorsque la prophétesse venait, elle s'asseyait dans elle, sa chaise. Elle s'assoit ici. Mais ici, là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne au vu des humains. Quand on fait le culte, vous voyez, il n'y a personne qui est assis là. Mais elle-même qui est assise là, qui est assise là. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Et puis elle voit la personne qui est assise là. C'est pourquoi il dit, il y a certaines personnes que Naomi vous a raconté tout ça. Il y a des gens même qui sont ici qui ont entendu ça. Et celui qui est assis ici là, il est il est invisible. Maintenant elle, Dieu a permis à ce qu'elle voit. Parce qu'elle, ses yeux là, ce n'est pas les yeux des humains, c'est des yeux spirituels. Et donc quand Dieu vient, s'assoit comme ça, elle est assise là. Elle sait qu'elle est assise là avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui sont là ne savent pas. Ils voient une chaise qui est vide. Ça fait des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit le Seigneur Christ est descendu, qu'il habite quelqu'un là.
Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, qu'il travaillait à la première nuit, au début, là, il n'habitait pas l'homme. Mais le Seigneur Jésus-Christ était là. Il descend, il vient assister au culte. Les dimanches, il remonte au ciel. Mais sa chair était là. Il y a des gens qui pensent qu'on s'est levé un bon matin pour dire que voici le Seigneur Jésus-Christ. Que c'est quelqu'un qui tape dans sa poitrine aujourd'hui qui dit qu'il est Christ comme ça. Ah non! Tu ne peux jamais taper dans ta poitrine pour dire je suis Dieu. Quand je me lève, je dis c'est mon Dieu. Moi. Et puis je tape dans ma poitrine là. Il y a combien? Qui peut taper dans sa poitrine pour dire qu'il est Dieu? Je suis unique. Et ma manière de travailler est unique. Même s'il y a quelqu'un même qui va te dire il est Dieu là. De toute façon, ce que je fais comme ça, il ne peut pas faire aussi. Je suis unique. Ma manière de m'habiller est unique. Mon travail est unique. C'est lui-même qui va dire il est Dieu là. Il est Christ là. Il va venir. Je vais faire. Même s'il fait ça. Si je lui dis de faire aussi, il va faire. Ce que je fais comme ça là. Ça là. Si je lui dis de faire aussi là, ça là, je l'ai déphasé déjà. Il ne peut pas. Est-ce qu'il pourra? Non, d'abord, tu ne pourras pas. Même, tu peux ne pas croire que c'est. Tu peux ne pas accepter que c'est Dieu, mais c'est quelque chose quand même. N'est-ce pas? Mais cette chose-là, c'est quoi? Tu peux dire que c'est Satan si tu veux, mais tu vas savoir que c'est quelque chose qui est là, là. Les étrangers, c'est comme ça que je suis. Donc, ce que je fais, là, faut pas ça là, ça va vous déranger. Hein. C'est versé ici. Et puis vous-même qui êtes là, là, si vous voulez que vous fassiez aussi là, aujourd'hui, là, vous allez faire. C'est pour tout le monde. Si moi je t'aime, je dis aujourd'hui là, tu vas faire. Tu as fait, tu es là, tu as fait. Comme c'est maintenant, je te prends là. Tu seras agité. Pourquoi? Parce que je vais te laver. Tu es sale. Donc pour que je puisse t'habiter là, je te lave. En te lavant là, je te secoue. Souvent même tu tombes, tu roules. Je te secoue. Quand j'ai fini maintenant de te laver là, et puis je te soulève et puis je m'arrête maintenant. Et puis je commence à travailler. Je marche maintenant. C'est comme ça que je fais. Mais tu viens d'arriver, tu ne t'es jamais confessé. Peut-être tu es là-bas, c'est koutoukou, tu bois. Peut-être tu es là-bas, c'est... Gin ou bien c'est pas c'est pas comme on appelle les boissons là, c'est ce que tu bois là-bas. Ou bien tu fumes un peu. Ou bien tout ça là, ça te dérange. Moi je n'aime pas ça. Et donc si je vais t'habiter, il faut que je neutralise tout ça. En neutralisant aussi, tu ne peux pas t'arrêter là comme toi-même tu es fort que Dieu. Non, je vais te prouver que tu n'es rien d'abord. Je te mets à terre. Et puis je te roule. Tu cries. Tu cries, tu cries. Il dit, regarde lui là. Tu es sale et puis tu n'es pas que tu laves. Laisse-moi te purifier un peu. Quand je te lave là, je te purifie et puis je suis à l'aise, confortable. Dans mon salon là. Et puis je m'assois maintenant. Et puis je te soulève. Et puis ce que je vais faire maintenant, puis je fais avec toi. Donc, même vous êtes étrangers là, si je ne veux pas que vous partiez à la maison aujourd'hui là, vous allez rester ici. Vous allez crier, crier. Oh, 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 oh. Tout le monde va partir. Vous êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Naman srekon. Owa mleno. Nyamye. Owa nya osu. Oti osi. Oni odefwe. Nyamye. Onya osu. Alleluia. Oh. Alléluia. Nyamie anyasu. Lele atinya vielie.
nyanye o nya osu lele faju avielie alleluia nyanye o nya osu lele oye ke amukun joma sai e ti amto jo gbogbe nyanye o nya osu lele oye to amo ya bwebo fle nyamie wa nyaso anze mbomie nyo neyo sian kondende am kondende se kobeblam kobeblam neyo ya kondende nyamie wa nyaso lele ati ya vire nyamie wa nyaso lele faju avielia aleluya so Ania osu Namie Ania osu lele ati ya vieria Namie Ania osu lele faju avieria aleluya Nyamie wa nyaso lele ati ya vire Nyamie wa nyaso lele faju wa vire aleluya o wa nyaso Nyamie wa nyaso Dike ngabo oti pa ma o Nyamie o wa fa ma o Se la fi emi do ma so Nyamie o nya o so Alleluia O nya o so O nya o so Dike ngabo oti pa ma o C'est la fille et mes domaso. Namie, ania, osu, alléluia. Namie, ania, osu. Hey, ati, avielie. Namie, ania, osu. Lele, fadjo, avielie. Ike, nabo, oti, pama, o. Namie, ova, fama, o. C'est la fille et mes domaso. Osu alleluia oh ania osu lele fayo avielie ike ngabo ti pama o namie ola fama o se la fi emi do maso namie ania osu alleluia namie Oh, I am so. But you are the Oh, I am so. The king of all, the papa. Namie, oh, a fama. Say, I love you, the doma so. Namie, oh, I am so. Alleluia. Oh, I am so. Namie, ania osu, alleluia. Ania osu. Namie, ania osu. Lele fadu avire. Ike ngabo ati pama. Namie, ola fama. Se ala fi emi domaso. Namie, ania osu, alleluia. Alléluia. Ah,
so hallelujah. Yeah, I need a so. So hallelujah, namie, naso. Namaste, oh amleno, namie, oh naso. Odi osi, odi odi fe, namie, oh naso. Hallelujah. 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 Mansoura et Ramoso. Mansoura et Ramoso. Likinga boti pa ma o. Nyamie o wa fa ma o. Se ala fi la fi emi do manso. Nyamie o nya o su. Nyamie o nya o su o. Lele ati ya bielie nyamie wa nya oso lele fajo avilie dikinga bo otipa mamu nyamie wa yo famamu samu la fi emi do manso nyamie ora amusu aleluya. Namie ora elele o avierie namie wa nya osu lele yeminde o ye konde o ye de fue ye mie jesu ye sera o ke ara isu. Oni wawe sanisi alleluia. Raesu yemie Jésus Christ. Raesu. Yemi de a ye konde wo. Ye de fwe yemie Jésus. Yesra oke ara isu oni wawe sanisi aleluya sura isu masura etramusu ra isu yesu sre
ye min de o ye kon de wo ye de fwe ye ngwan ma fwe ye sre o ke awara isu oni wa we sani sin aleluya ra isu ra isu ra isu Masuretramusu. Masuretramusu. Ye minde o, ye konde o. Ye de fwe, ye mien Jezu. Ye sre o ke ara isu. Oni wawe sani sin aleluya. Ra isu. Raesu, ye mien Jésus, alléluia. Raesu. Ye mien de ha, ye konde wa. Ye de fwe, ye gwan ma fwe. Ye sre o ke a raesu. Oni wawe sani sin, alléluia. Raesu. So, ye mien Jésus, alléluia. Raesu. Raesu, ye so sre o. Ye min de o, ye konde o. Ye de fwe, ye ngwan ma fwe. Ye sre o ke a raesu. Oni wa wesan isi alleluia masura le tramusu Masura le tramusu. Masura le tramusu. Yeminde o ye kon. C'est un ramusu ça. Ramusu. Nan samke. Amen. Na amouoy. Osu ya mou febo. Masura le tramusu. Manyamisuloy. O tike. Ye masura le. O gwa mu klok la musu ke bole ofu sa musi krisi duma yi no Masura etra musu an sren sike manya me sulo otike ma pat mosu vlein an de ke su sura la sa o tu pat mosu vle mu no krisi duma yi no ma ke en ra musu ale masura le soy o gwa pat mosu sa ma be kula be no krisi duma yi no Masura et Ramosu. Qu'est-ce que Yemindeo? Ma patte, moi, je voulais moins. Yé, je suis Mindeo, mi kore. Amen. Yemindeo. Yé, konde. Yé, de fwe. Yé, mien. Jésus-Christ. Yé, sre, ok. Awa, raïsou. Oni, wawe. Sani, si. Alléluia. Raïsou. Raesu, ye mien Jésus. Raesu. Tu serais.
ye mi de o ye kon de o ye de fwe ye gwan ma fwe ye sre o ke awara iso oni wa we sani si hallelujah ra iso ra iso ra iso ye mi jesus ra iso masura le tramusu 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 masura le trapat pas vous voulez moi en sou masura le tramusu 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 ma Masura et tramusu. 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 Manyamie si à moi envoie. Nyamie ou à moi envoie. Nyamie climote à doudoua. Nyamie moti kula fouet. Nyamie mo kuloba. Manyamie aussi à moi envoie. M'envoie si les tramusu. M'envoie ou les autres tramusu. Nyamie si à moi envoie. Nyamie si patmos vous voulez envoie. Man si si patmos vous voulez envoie. Man yamie si patmos vous voulez envoie. Ainsi, 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 à deux doigts. Bending bli bon la vie lié bon la bobo lé mien nyam bien pli en sereo que soura lé ngao nyam yesanu bon ana fa maklo srandé wana fa grâce soit lé il so soura lé lié mo tran pat mo sou vle bon sou christ de moi nou pat mo sou vle o soura lé mon calme mentiment. Patmos souffle. Patmos souffle. Sur aller. Otiolier. Sur aller. Oti olie. Surale. Oti olie. Nyambien surale. Oti olie. Nyambien surale. Oti olie. Nyambien pli surale. Oti amu kwa kwa amu lie. Iso surale lie. Mon kalem mandiman. Na kansa okpochi. Sangemo kamu sanusa ti 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 anangama ngwan se na o minya mi sanu yo owo amukulanga mugwae amukulanga ma upatmo sumvlinu namu nukusati mwe omle sangema amugba
bakan o gbengben o ma amu nyamkula amu tikrisi domaino Naomi mamu nyami kli oni amu nulele avielie nyami oni amu nulele me ifa kole chen amu sesi amu na ye wa eko di famie eko di famie nyami sulo e ya ki asie besanu asienti amulie mamu masia meka amudi segensi meko le onyame sulo nyame sulo mflenti amulie njajali sieli amu aluambe kwa lovie bolimbe jualo kokotimbe komalo sans bois Ben kumi cheyem flesson tibelienyo. Amu gamu gwae. Amu yamti gulele fwenyo. Amu yamti wete fwenyo. Amu yamti mi buanyo. Amu yem flesson ti amulienyo. Ma jajaman si amu. Amu si si amune weko di famye. Mbanda omi fale. 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 Mfana omi. Mfana omi yeko. Mfana omi eko waju 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 ke mfana omi waju ke mfana omi wo waju ke mfana omi sanfa wo mfe ifa ko mfana omi ko mfana omi fa ko mfe mfe fa ko amusese amu amusie Amu sesi amu, amu pua pua amu, amu pua amu ningemu. Unfa Naomi, waju, me wazie, avireche waju. Unfa Naomi, unfa Naomi. Unfe, waju kemfe. Blewa mata, blewa waju, avireche waju, avireche waju. Sa vie fille, le sa ormale kan. Sa vie fils sa yele on malekon. Afi me wavye. Me wavye, me wavye. Avire wakye wajou. Wajou, wajou. Wajou, wajou. Ojule, ojule. Naomi, ifale wajou. Amu laske Naomi kale. Amu laske Naomi kale. Amu laske Naomi kale. Ye jale, ye jale, ye jale. Ye ma fafa. Ye jale, ye ma fa. Indina wenkriyamu. Vis-à-vis éclair. Kenya, mon fefe a jale. Un fe na oubi amu sa nou fefa ko. Amu gamu sisi amu fa amu vie. A bong a uti a sese wa, nyakye wa. Ye maka maka amu le, eni amu te ou nou.